Salut à tous, essayez les bienvenue! Hoje eu vou contar para você uma história e mais do que isso, esse foi o meu livro preferido por muitos e muitos anos. E eu tive a oportunidade de reencontrá-lo e agora eu vou ler essa história para você. É a história desta ratinha que chama Biscotte Mulotte. E o que é interessante é que a palavra Biscotte é uma torrada, uma torradinha. É, les lettres lettre de Biscotte Mulotte é o título deste livro. Alors on y va. Un matin, La maîtresse a trouvé une lettre sur son bureau. Je vous lis la lettre. Chers enfants, je m'appelle Biscotte, je suis une mulotte et j'habite le mur de votre classe. L'entrée de mon trou est juste sous l'armoire. Souvent, je vous regarde et je vous écoute pendant les, la classe. Et la nuit, quand tout le monde est parti, je sors et je me promène sur les bureaux. Mais, ne fait, mais je ne fais pas de crotte, c'est promis. Ça donnerait trop de travail après pour la dame qui nettoie. Écrivez-moi et mettez l'enveloppe près de l'armoire. Bisous, bisous, moustachu, biscotte, mulotte. Les enfants crient de joie quand la maîtresse leur lit la lettre. Ils se précipitent à quatre pattes près de l'armoire, ils voient le petit trou, ils crient très fort tous ensemble. Biscotte mulotte, wouhou Réponds-nous Mais il n'y a personne. Alors, les enfants disent Il faut écrire à Mulotte, il faut écrire à Biscotte. Maîtresse, maîtresse, écris ce qu'on te dit. Dis-lui que je, je l'aime, cette Biscotte. Maîtresse, dis-lui que mon pépé m'a donné un petit chien. Dis-lui que je sais faire du vélo sans les petits trous. Demande-lui si elle écrit avec ses griffes. Et la maîtresse prend un crayon et un papier en disant Pas tous à la fois. Et elle se met à écrire ce que disent les enfants. Et puis après, on pose la lettre devant le trou. Le lendemain, Mulotte a répondu. Il y a une autre lettre sur le bureau. On s'assied par terre sur le petit tapis et la maîtresse lit la lettre. Mulotte raconte qu'elle habite dans le grand tuyau à côté de la cheminée, qu'elle a un papa, une maman et aussi un oncle, Molette, qui vit avec eux et qui est très grognon. Et puis elle leur dit qu'elle n'écrit pas avec ses griffes parce que ça ne serait pas pratique. Elle a trouvé un stylo à billes par terre dans la cour et elle le serre très fort entre ses pattes. Elle écrit très lentement, mais ça marche. Les enfants lui répondent en envoyant dans une enveloppe un gros paquet de dessins. Le lendemain, il n'y a pas de réponse. La lettre a bien disparu, mais Biscott n'a pas répondu. Le jour suivant, non plus. Les enfants sont bien déçus. Alors, en attendant, ils fabriquent une boîte aux lettres pour la mulotte. C'est une pochette en papier punaisée au mur, à côté de l'armoire. Pas trop, bien sûr, pour que biscotte n'ait pas à se fatiguer à grimper. Sur la pochette, les enfants font plein de décorations avec des papiers de couleur qui collent. Dessus, la maîtresse écrit biscotte mulotte. Les jours passent, et un matin de décembre, les enfants rentrent dans la classe en soufflant sur les doigts leurs doigts rouges. Là, dans la boîte aux lettres, il y a une lettre. Biscotte a répondu. Vite, vite, maîtresse, lis, lis Chers petits amis, j'ai été malade avec une angine. Maman m'a soignée, maintenant ça va mieux. Vous voulez savoir comment je fais pour vous écrire Eh bien, souvent, quand la maîtresse écrit au tableau, moi je regarde par mon petit trou. Et comme ça, j'ai appris à écrire et à lire mais n'essayez pas de m'apercevoir par mon trou, je suis très très timide. Le premier jour, vous m'avez fait peur en criant si fort. J'ai eu des battements de cœur. Merci pour la boîte aux lettres, elle est très belle. Et aussi pour les dessins. Mais faites-moi des belles et des... des lettres et des dessins petits, sinon je dois tout plier pour la rentrer dans mon trou. Bisous moustachu, Biscotte, Mulotte. ne faut vous là pour avec tout, leitura neste ponto. E eu prometo que eu voltarei em outras oportunidades para ler o resto da nossa historinha, que senão vai ficar muito comprida por aqui. Espero que você tenha gostado! E mais do que isso, não esquece de se inscrever no canal! E se você gostou de poder ouvir um pouco mais de francês, aperte em gostei abaixo desse vídeo. E me conta uma coisa: o quanto você conseguiu entender dessa leitura? Comenta aqui embaixo nos comentários. Merci et à la prochaine!